Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Je suis désolée pour la qualité de ce vlog. Je viens d'allumer ma caméra et je viens de me rendre compte que j'ai laissé la carte SD à Paris. Voilà, je suis trop forte je pense pas que je vais acheter une carte SD, je vous mens pas, pour 4 jours. J'espère que la qualité sera pas trop mauvaise. Heureusement j'ai mon nouveau téléphone. Enfin bref, on est arrivé hier soir à Lisbonne. Que des péripéties, vraiment. En ce moment j'ai une poisse, je savais même pas comment vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'avion, ensuite dans l'avion, j'ai jamais eu mal aux oreilles de tous les... Et là j'avais l'impression que ma tête elle allait exploser vraiment, genre j'étais vraiment en larmes, c'était horrible. Et là j'ai encore les oreilles bouchées, ça ne m'est jamais arrivé vraiment. On est arrivé au petit Airbnb, ça a été... C'est trop mignon, je vais vous faire un petit room tour. Et on a pris un Uber Eats hier soir parce qu'on avait grave, hein. On s'est douché, on s'est couché et là on est réveillé. Il est quelle heure? 11h. Enfin, il est 10h ici et 11h. Mais l'heure ici 10h. Il est 10h. Ouais, parce qu'on savait pas qu'on avait un décalage horaire de 1h. Voilà. Il est 10h et là, on va commencer la petite journée. Du coup, je vous prends dans ce petit vlog avec nous. Je vais d'abord vous faire un petit retour de la chambre. Donc là, la petite support. Je vous mets en grand angle. Hein. Au moins, avec le téléphone, on va profiter des avantages. La petite cuisine qu'on va jamais utiliser. On nous a offert une petite bouteille de vin. Bien qu'on ne boit pas de vin. Voilà. Ça, c'est les petits chips qu'on a eu dans le... J'allais dire tout goût, tout go, pas du tout, le Uber Eats de hier. Sinon, c'est trop mémiche. Voilà, le petit bird. Ici, on a une petite table, un petit miroir. J'adore mon outfit d'ailleurs, c'est trop mims. Faut que je mette mes chaussures aussi. Comme ça, là, on a une salle de bain. La chasse d'eau, elle met un quart d'heure à... Voilà. Et là, en fait, on peut pas rentrer dans la douche, il faut rentrer par là. En fait, la douche, elle est toute seule ici. Donc voilà, écoutez, je vous emmène dans cette petite semaine. Enfin, on est là 4 jours. Hein. 4 nuits. 3 jours, 4 nuits. 3 jours, 4 nuits. Donc, let's go pour ce nouveau vlog. Ouais, c'est trop mimi. Bon, pour le petit déjeuner, on a pris la petite spécialité qu'on voulait goûter. Enfin, la spécialité à goûter, genre. Ouais. Comment pastel des nata, ça s'appelle. Je sais pas trop c'est à base de quoi, mais écoutez, on va essayer. Mais c'est tout bleu bleu. C'est un flan. Arrête, moi je crois que c'est de la crème. Mais c'est impossible à tenir. T'en as foutu partout, moi j'ai fait au moins un bon attention. Alors, c'est bon? Un goût de vanille, non? Ouais. Par contre, on a bien fait d'en prendre un pour deux. Hein. Pourquoi? Bah, c'est très... Non? C'est bon, non? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais. On est en train de faire la queue pour prendre le grand ascenseur, là. Parce qu'on veut aller au château de Saint-Georges. Enfin, le château de Saint-Georges, il est là. C'est pas l'ascenseur qui va nous aider. Hein. Mais bon, on va le prendre alors. Je vais juste faire un tour d'ascenseur. Ok. Et on adore la ville, vraiment, c'est trop beau. Il y a plein de petites places, plein de petites ruelles, c'est tout coloré, il y a plein de... Moi, je donne encore 5 minutes à l'ascenseur. Hein. Mais non, mais si les gens ils font la queue... non, franchement, c'est trop mignon. Regardez. Un petit iced tea, une petite bottle de water, une petite croquette. C'est quoi ton avis sur la croquette? Pas aussi bon que ce qu'on a mangé avant. Pas aussi bon que le samoussa? Non. Pas du tout. Ok. Et on a une bonne petite vue sur le château. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de Français qui travaillent ici. C'est lui qui nous a servi, il est en stage de seconde ici. Ah, pas bon, c'est en stage de seconde ici. Je savais même pas qu'il y avait des stages en France déjà. Si. On traitait les normaux. Ah ouais? Bah, pas nous. Un peu sec. Pas mauvais. Pas utile. Pas utile. Thank you.
Out Market. Et c'était vraiment incroyable. Vraiment, si vous venez à Lisbonne, allez-y. C'est trop chouette. Et du coup, j'ai fait un petit brownie en dessert. De toute façon, je vous ai filmé ce qu'on a mangé, mais c'était trop. Traversa de Romelard, puis dans 150 mètres. On est rentré à l'appartement, on s'est douché, on s'est préparé. Et moi, cet après-midi, j'ai juste acheté une petite blouse, voilà, dans un petit marché. C'est que j'adore ce genre de truc, en ce moment que j'en ai trouvé une avec des petites cerises comme ça. Je la trouvais trop belle. Du coup voilà, je l'ai prise. Elle est trop mimes. Je l'ai pas encore essayé, je verrai. Et là, on va aller manger. Tu en viens de ça en souvenir. Hello, deuxième jour à Lisbonne. Ce matin, là il est quelle heure? Il est 10h38 et on va partir. Aujourd'hui on va plus l'ouest, donc il va falloir qu'on prenne le bus. On a combien de temps de bus? Donc on va prendre un petit peu le bus. On a envie d'aller visiter un monastère, on a envie d'aller à LX Factory, la tour de Belém, donc on va faire ça aujourd'hui. Hier soir, alors c'était catastrophique, vraiment, parce que du coup on a essayé de trouver un restaurant et en fait on sait pas pourquoi on a la malédiction le soir quand on veut manger, on trouve pas de restaurant alors qu'il y a vraiment que ça toute la journée. Et du coup on a vraiment galéré pendant quoi, au moins une heure à trouver un resto, et on s'est retrouvé dans un italien pas franchement bon. Et on voulait plus manger dans des petits restos, vous savez, local et tout, plutôt que dans un grand resto italien. Enfin c'était pas ouf, mais le petit resto dans lequel on voulait aller, bah fallait mieux réserver, il y avait la queue juste comme ça, était déjà 21h, j'avais pas envie d'attendre jusqu'à 23h. En plus il faisait froid et tout, enfin bref. Sinon à part ça, j'ai trouvé le comment ça s'appelle? Ah merde, comment ça s'appelle? J'ai trouvé un Brandy Melville. Je suis jamais allée dans un Brandy Melville, je savais même pas qu'il y en avait à Paris pour le coup. Il est où mon collier avec tes initiales? Et je me suis pris ce pull là, je veux le Ralph Lauren depuis une éternité vraiment, et je savais pas que Brandy Melville il faisait le dupe un peu. Et franchement la qualité, c'est, enfin la matière et tout, c'est la même. On voyait juste pas le Ralph Lauren, mais en tout cas il est vraiment trop beau, donc je suis trop contente. J'ai pris un pull parce que bon c'était l'occasion et il m'a bien servi hier parce que j'avais froid, et comme j'ai pas pris de veste avec, bah voilà. Et mon collier, je sais pas où il est. Enfin bref, je vous emmène dans cette nouvelle journée. Franchement, les moines, ils étaient bien là. On est à Sintra et on s'est aventuré dans une randonnée de 1 heure pour aller jusqu'au palais. Jules, quand on est arrivé, il a dit bon, c'est à 1 heure, je pense qu'il faut prendre un bus. Et finalement, on a commencé à monter. En fait, c'est des chemins pour piétons et tout. Et tu vois plein de choses, c'est tout dans la nature et tout. Bah, c'est vraiment cool, mais... C'est le dernier jour, on s'est arrêté au marché pour manger. On mange en vite fait parce que faut que je mange déjà. Après je vais me faire tatouer.
Je suis trop triste de partir. Toi aussi.